Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est édition Chita des nouvelles, ça qui entre la caillou. Moi, c'est mettre info, quel que soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. Nous sommes toujours contents, amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter l'édition nouvelle par là. Après, monsieur Jovenel Moïse, c'est fini déclaré, journée 1er mai, dans un moment, il a inauguré barrage Marion en Odesse. Donc, plus passé, 80%. Alors 80% et cas kidnapping qui fait dans le pays a des rapports avec questions politiques. Eh bien, journée Madia, c'est tout pas Premier ministre AIA, M. Claude Joseph, dans le cadre d'une conférence de presse Libaï, mais il fait qu'on est ces monde qui n'ont pas gagné capacité, mais pour mener l'élite politique là, pour prendre pouvoir dans l'élection, c'est eux-mêmes qui ont commandité question, eh bien, kidnapping qui a fait. Non, pays d'Haïti en même temps, bien, il dit question processus dialogue, chef l'État avancé avec un secteur dans l'opposition, mais pour rejoindre une entente d'après ça, le fait qu'on est. Claude Joseph, yon l'autre part, eh bien, déclaré, bien, question référendum, eh bien, qui pral fait dans le pays, bien, gagné 3 sondages, des films réalisés parmi eux, un film qui est en opposition à pouvoir. Donc réalisé fait qu'on est entre 85 à 87% population haïtienne d'accord pour Jovenel Moïse changer constitution pays d'Haïti. Dans la même conférence de presse, il y a gagné directeur général AI PNH là, Léon Charles, et bien monsieur annoncé, et bien la police nationale d'Haïti a plusieurs unités là-dedans te mené une opération journée lundi à dans zone Canaan côté yo rivé libéré docteur Jenny Edouard Pierre Lys avec petite garçon bandit kidnappé. Donc c'est dans Canaan 50 opération ça li mené d'après ça le fait connait Léon Charles de tout profiter parler de plusieurs autres dossiers dans cours et assassinat policier Gerbi Geoffroy SPNH 17, il dit gagner question enquête qui l'ouvrit avec tout, il parlait des questions policiers eh bien qui ont même capturé moun d'après sa question journaliste était posée et bien monsieur fait connait mais c'est pas tout policier qui gagne uniforme sur pas tout monde qui gagne uniforme sur yo qui c'est policier. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous toujours contents de rejoindre nous pour nous présenter l'édition nouvelle ça nous préparer pour vous. Entre-temps, nous invité à continuer brancher, continuer abonner au canal information sans fausse côté de manière à ce que nous capable continuer porter bon genre information frais clair coup de coco pour vous. Ou même qui abonné déjà, quel que soit côté, nous remercier et ou même qui beaucoup abonné, nous invité à faire ça de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publier la privée nous de façon automatique. Jean nous annoncé aux les amis téléspectateurs, amis internautes, après M. Jovenel Moïse, m'était fini déclaré, journée 1er mai qui se passait à là, dans l'occasion fête agriculture et travail là, dans le moment l'étape inaugurée barrage Marion dans le département d'Odesse. 80% kidnapping qui fait dans le pays d'Haïti, gagné, c'est action politique qui fait yo, d'après ça le fait qu'on est. Eh bien, journée Madia, donc c'est Premier ministre AIA, Claude Joseph, qui prend relais des déclarations ça. Côté, le fait qu'on est, eh bien, c'est moun qui gagne, donc qui a pas pour une transition, qui n'a pas gagné capacité pour que yo a l'élection pour prendre pouvoir dans le pays d'Haïti, c'est eux même qui a commandité question. Question eh bien kidnapping dans le pays d'Haïti. Donc monsieur Claude Joseph donc il fait qu'on est eh bien c'est dans élection pour moun sa yo aller pour capable et prendre pouvoir. Donc Claude Joseph donc t'es tout profiter fait un bilan de activité li mené dans tête primature depuis l'arrivée comme premier ministre AI. Donc plus loin monsieur Claude Joseph donc li parler de dialogue qui a mené pouvoir mener avec opposition pour joindre une solution dans la crise là pour capable arriver dans question élection. Cependant, M. Claude Joseph, Premier ministre AI, donc fait qu'on est personne monde, pas besoin de tonne, eh bien, Jovenel Moïse, eh bien, quitter pouvoir avant le, d'après ça le fait qu'on est, nous invitons à écouter déclaration Claude Joseph, qui est Premier ministre AI.
La police a travaillé, moi-même ça fait 22 jours, donc nous réalisons déjà 4 CSPN. Ça déjà l'exprimé volonté nous pour nous et, adresser le problème d'insécurité. Mais pas oublier. L'insécurité, je dis, ce n'est pas seulement une dimension criminelle. Les gagnants ont une dimension politique. On va comprendre la coïncidence qui existait entre les relations qui existaient entre les noms tombés dans le 7 février 2021 avec mass kidnapping qu'a fait dans le pays. Donc, c'est un autre outil que de monde utilisé dans la société qui de monde qui pas prêt pour engager la bataille de façon démocratique parce que nous allons organiser l'élection. Ils ne connaissent pas bien aucune possibilité à travers les élections pour prendre pouvoir parce que c'est ça qu'ils ont besoin à travers une transition. Donc, dimension, aspect ça, c'est fondamental. En 27 février, il y a un paquet de kidnapping qui a fait dans le pays. Et nous disposons, au niveau police nationale, au niveau CSPN, de projets d'intelligence. Et nous travaillons, nous arrivons certainement sous le monde ça, qui ont même utilisé le kidnapping comme nous avons. Pour yo, abouti avec, et on t'a capable de dire, un objectif politique qui visait à et faire président démissionner, soit un an avant et la fin de son mandat. Donc ça, c'est fondamental et pour nous comprendre. C'est peut-être ça. Jean-Président, toujours fait là, les lancer et dialogue là, parce que pour le président de la République, là, le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent. Gagner en pile. Moun, déjà acteur politique ou bien protagoniste qui mettez vous d'accord sous principe dialogue là parce que faut nous aboutir avec un gouvernement qui pour assurer continuité de chantier ça nous souhaite parler là référendum constitutionnel là et élection qui vient pour venir là pour nous capable renouveler personnel politique là et option qui t'a dit et président de la République là, qui pour le mettre clé en bas là, n'est pas même envisageable. Puisque le président a été élu dans l'élection 2016, avec 56% des suffrages qui exprimés, il y a eu un résultat en janvier 2017, et prêté serment 2017, 7 février 2017, et nous connaissons en Haïti, mon président est servi pour 5 ans. Donc, 7 février 2022, mais on va aller comme ça. On va aller pendant que la présidente placée par un président qui est élu démocratique. Ça, c'est un exercice. Ça, c'est intéressant. C'est la pédagogie de l'alternance démocratique qui passait par le respect du verdict des urnes. Ce projet référendum Jovenel Moïse là, malgré la communauté internationale là, fait semblant, il n'est pas dans le projet si là, il n'est pas dans le référendum, eh bien, Claude Joseph déclaré référendum dans le pays d'Haïti, c'est un acte souveraineté qui donc, d'après lui, ses affaires, peuple haïtien qui a réglé et non pas dans la question référendum là, et non pas les affaires. Étranger. Premier ministre AIA, Claude Joseph, parlait des 3 sondages, les 10 qui réalisés avec des films, donc qui baillent un total, qui montrait entre 85 à 87% population haïtienne d'accord pour M. Jovenel Moïse changer constitution. PIA, donc il dit, malgré un film sa yo, film sondage sa yo, qui en opposition avec pouvoir en place là. Donc, Claude Joseph fait connaître, donc c'est Bride qui fait 2 dans le sondage SAIO, donc une institution, un film qui est spécialisé dans le sondage, les gains élections dans le pays d'Haïti, avec tout une organisation qui est Haïti Nouvelle, donc qui fait sondage ça, qui en opposition avec pouvoir. Donc, nous invitons à écouter une autre fois, Claude Joseph. Un référendum, c'est un acte de souveraineté. Li essentiellement est concerné, on est capable de dire, les Haïtiens, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui vont décider si oui ou non, est-ce que vous voulez un référendum pour changer la constitution. Fort heureusement, il y a 3 sondages qui sont réalisés par 2 firmes différentes. Yon Zébride qui ont expertise dans la question de réaliser le sondage, ils ont réalisé 2 sondages. Et résultat de sondage sa yo, yo dit clair que plus que 85% population voulait une autre constitution.
il y a pile d'autres thématiques que vous abordez effectivement, mais qui était moins dit ça et deux sondages ça aussi. Maintenant, bon, l'autre sondage qui est réalisé par, bon, faut me dire que dans deux premiers sondages, c'est des échantillons aléatoires. C'est-à-dire que, à plus que, et puis, taille échantillon était vraiment grand pour spécialistes. Maintenant, bon, deuxième sondage qui est réalisé par une organisation anti-gouvernementale, qui est les Haïti Nouvelle. Sondage, ça a tout dit que 87% population, les voulait ont leur constitution. Donc, c'est population, qui demandait ont leur constitution. C'est pas gouvernement et inquiétude qui exprimait de la part de nos amis de la communauté internationale, gain là-dedans qui est fondé ou légitime. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, dans le gouvernement, et nous demandons au comité consultatif indépendant à l'écoute de préoccupations communauté internationale là et comment pour nous adresser. Effectivement, un référendum doit un processus qui est inclusif. C'est peut-être ça, encore une autre fois. Président, l'initié, ça fait un bon bout de temps, processus dialogue-là. Dialogue-là pour permettre que le gouvernement qui pour gagner, hein, avec notre tête, un premier ministre définitif, pour le cas assurer la continuité de l'État, particulièrement dans deux grands chantiers, ça y est, référendum constitutionnel et élection. Dans la même conférence de presse qui baille dans le bureau, du moins dans la résidence Premier ministre dans Primatia dans la zone Delma 60, eh bien, gagné directeur général AI, Police nationale d'Haïti, Léon Charles, eh bien, il fait qu'on est la police là a mené une opération dans le canard 50, journée lundi. Trois mea avec plusieurs unités dans le PNH là qui permettent d'y arriver libérer docteur Jenny Edouard Pierre-Lys avec petite garçon Noah Sacha. Donc sous affaire, sous question, eh bien journaliste posé pour qu'on ait qui Jean fait gagner question policier qui nous a fait kidnapping et qui a tué moun, eh bien Léon Charles fait qu'on est, eh bien, c'est pas tout le monde qui gagne uniforme sous yo, uniforme la police sous yo, donc qui c'est policier. Léon Charles fait qu'on est plus loin, gagne enquête qui déjà l'ouvrit, eh bien, sous deux questions, deux jeunes garçons qui ont accusé, qui ont même t'a perdu la vie, c'est Boyd, on patrouille Boyd, qui t'a tiré sous yo dans la zone la lue, hier lundi. Donc, directeur général à IPNH là, Léon Charles, fait qu'on est, les gens kidnapping qui fait, eh bien, c'est la police pour mounioré les ou pas doué à bloquer ou tio. Donc, il fait qu'on est en pile fois, moun qui a bloqué ou tsa yo, c'est des moun qui gagnent zam nan men yo, elle dit la police a agi contre moun si la yo qui gagnent zam qui a bloqué route contre kidnapping. Monsieur Léon Charles, concernant assassinat policier Gerbi Geffrard, SPNH 17, Léon Charles précisé, donc c'est même gens avec tout le monde qui apprennent, eh bien, nouvelle la mort policier Gerbi Geffrard. Donc, il fait qu'on ait gagné une enquête qui déjà l'ouvre sous question ça, malgré donc il n'y a pas joué un cadavre policier. Nous invitons à écouter déclaration Léon Charles, directeur général à IPNH. À l'opération qui aboutit à libération du docteur et petite lit qui était nommé des bandits, l'opération fut faite. Heureusement, première intervention, première action par l'AIO, c'est informer la police. La police commence à travailler avec par l'AIO. À partir de travail, nous devons identifier côté, alors, bandits qui fait Zaglan, et nous montons opération avec plusieurs unités de la police. Canard 50, c'est la défaite des unités de la DCPJ, Boyd et l'autre unité de la police. Nous avons monté l'opération. Heureusement, nous avons libéré Mounio, sain et sauf. Nous saisissons un fusil automatique. Il y a un bandit en échange avec la police qui est tombé. Bon, l'autre qui est en cavale et la police a pu chercher activement. Concernant le cas de Gerbi Geffrard Bolo. Nous apprenons, même à tout le monde, que l'élément ça, nous avons assassiné. Il y a des photos qui paraissent dans la presse, la police garde des photos. Yo. Mais jusqu'à présent, nous avons trouvé un cadavre. Pour les judiciaires, après une enquête, pour connaître qui s'est passé exactement.
mais en tant que PNH, nous ne sommes pas en mesure pour confirmer si il y a un cas d'assassinat ou bien d'enlèvement ou bien disparition. Donc nous, la police a pour le cas prononcé sous cas ça. Je fais une précision. Un individu qui est en uniforme, qui va commettre un crime, ou pas qu'à dire carrément c'est des policiers. Donc il y a un pile cas de des gens qui portent un uniforme de la police pour nous faire acte malhonnête. Mais en tant que directeur général de la police, nous admettons en tant que même si dans tout le pays, il y a des policiers qui choisissent de faire acte malhonnête. Mais dans tout cas, nous ne pouvons pas dire c'est policier. Mais s'il y a, nous reconnaissons qu'il y a des cas qu'on a traités, règlement de discipline générale de la police, inspection générale et loi pays, nous prenons les mesures nécessaires pour nous. Tant des policiers en inspection générale, voyez le dossier de la CPJ pour finaliser l'enquête et remettre la justice dans le cas avéré que c'est des policiers en uniforme, que nous identifions, qui ont affectation et qui ont activité, qui ont service. Pour qu'un boy qui t'a impliqué dans l'échange, ou du moins dans le tir qui t'a gagné sous la lune hier, m'a profité pour dire tout le monde, toute population, que le cas d'enlèvement, la meilleure attitude à adopter, c'est d'appeler, de composer le 122. Et la police là, tant avec vous, même si c'est une situation difficile, même s'il y a plusieurs cas d'enlèvement, nous avons pour responsabilité pour investiguer chaque cas. Mais là, le fait, première réaction, c'est bloquer la route, empêcher l'autre citoyen vaquer à l'occupation, la police a dit pour obligation. Moun ka bloqué la rue, prenez machine, croisez dans la rue, mettez camion sable dans la rue pendant que vous l'école. Moun dans le travail, la police là, il a mis l'ordre. Et même sous pour ou contre l'activité de la police là, il faut mettre un mi-temps pour que à 10h du matin, 11h du matin, le monde sorti à 5h, 6h du matin, à vaquer à l'occupation, nous avons pour obligation pour assurer que route, quelle sécurité là donc pour tourner la caille. Nous allons investiguer ce qui passé là, si c'est vraiment des tirs qui font des mouns, des citoyens paisibles tombés. Mais généralement, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de citoyens paisibles. C'est des mouns qui armés, qui ont bloqué la rue et la police a supposé faire ça pour le faire. Toujours information qui vient avec la question kidnapping, avec insécurité dans le pays d'Haïti. Tout service dans l'hôpital Petit Frères et Sœurs Yonan Taba qui était campé journée lundi à, pour être capable de réclamer libération Dr. Jenny Edouard Pierre-Lys. Eh bien, il a recommencé travail journée Madia. Donc après, il était fin apprendre, responsable était fin apprendre, eh bien, nouvelle libération Dr. Jenny. Donc, il a été kidnappé dans la zone La Plaine et puis il a été séquestré, fermé dans la zone Canaan 50. Donc, c'est grâce avec une intervention la police nationale d'Haïti qui fait Dr. Jenny Edouard Pierre-Lys Rivejoine libération. N'a fait un coup de pied dans le pays étranger qui a mené nous dans le pays Mexique. Au Mexique, ben gagné un pont là qui effondré, qui tombait plat à terre. Donc pense à la cause plus passé 20 moun perdit la vie au la poula. Gagné une enquête qui l'ouvrit bon côté autorité concerné au dans le pays Mexique pour déterminer cause qui fait pense à lui-même li effondré et qui la cause plus passé 20 moun déjà disons 20 moun mouri sous place. Nous toujours à l'étranger, nous avons tombé qu'il y a un pays Inde côté gagné plus passé 20 millions de personnes qui contaminés en bas maladie COVID-19 là. Donc gagné dirigeant opposition en un pays Inde, Rahul Gandhi, donc il lancé un gros SOS, mais bah, il y a 1 milliard 300 millions de citoyens indiens qui c'est population indienne. Donc priorité fermée la caillou qui donc confinement total pour être capable ouais qui sont capables combattre maladie COVID-19 là qui lui-même a blaïcol dans pays Inde. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous campé à édition information ça. Nous remercions pour écoute ou à attention. C'était amis au frère mettre info qui d'observer. Nous casser rendez-vous demain même le à même chaîne non. Si papa bon Dieu content. À bientôt.